Bonjour à toutes et à tous. Un grand, grand merci de nous permettre de pouvoir partager avec vous cette belle expérience qu'on est en train de vivre, Mireille et moi, mais plus largement avec tout un certain nombre de personnes. On représente ici à nous deux, je pense au moins 200 personnes ou 300 personnes qui sont impliquées de proche ou de loin avec ce projet. Mais je vais commencer d'abord un peu par me présenter, puis aussi expliquer pour quelles raisons on est ici devant vous aujourd'hui. Donc effectivement, je suis de formation médicale, j'ai fait mes études de médecine en France. Et dès le départ, j'avoue que j'ai eu un peu un choc en faisant mes études de médecine sur le rapport entre les professionnels de la santé et les patients, et en particulier entre les médecins et les patients. Et lorsqu'il y avait des visites, je me retrouvais toujours un peu en porte-à-faux quand je voyais que les patrons, avec leurs belles blouses blanches et autres, avaient un droit de vie et de mort sur les patients. Et sans aucune consultation, sans aucune discussion avec les familles, ni quoi que ce soit, c'était vraiment cette personne, de toute façon... Elle est au stade terminal, sans vraiment avoir des arguments, même forcément biologiques. Et on avait des petits cocktails létaux là, qui existaient et qu'on mettait en place. Donc j'avoue que j'étais un petit peu dépassée complètement par cette façon de considérer l'être humain. Donc dès le départ, je me suis dit comment je pourrais amener une réflexion un peu plus large et essayer de réfléchir sur la modification des relations entre les professionnels de la santé et les patients. Et, j'ai un peu erré, j'avoue, j'ai trouvé ça difficile. En France, en tous les cas, disons qu'il n'y avait pas une super écoute de cette façon de penser. Et puis, je ne me sentais pas toute seule d'être capable de pouvoir le faire. Bon, bref, j'ai décidé de traverser l'Atlantique et puis d'aller donc à Montréal pour faire ma thèse. Et j'ai eu la chance là de rencontrer en particulier un patient qui s'appelle Vincent Dumès, qui s'est beaucoup, beaucoup impliqué justement pour faire en sorte qu'on modifie la façon de concevoir les relations entre les professionnels de la santé et les patients, lui-même étant atteint de plusieurs maladies chroniques. Et dans ce cadre-là, on est toute une équipe à réfléchir sur comment on peut vraiment considérer que les savoirs expérientiels des patients peuvent être vraiment des moteurs extraordinaires pour changer le système de santé qui, malheureusement, souvent est un peu centré sur lui-même au lieu d'être justement en partenariat avec les patients. Donc dans ce contexte-là, j'ai commencé à travailler sur des projets très concrets. Et puis je voudrais remercier donc Valérie Lahaye qui est ici aussi, qui a participé à un premier projet sur lequel on a essayé de réfléchir à la clinique de la main, donc au Centre hospitalier universitaire de Montréal. Ce sont des patients donc, qui sont amputés de doigts ou carrément de la main à la suite d'un accident traumatique. Souvent après avoir utilisé une scie ronde ou ce genre de choses, là, les personnes qui décident de refaire leur maison le dimanche et qui n'ont pas forcément les compétences pour le faire. Et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une très grande disparité dans les personnes qui avaient à suivre après la chirurgie, qui est très très méticuleuse, ça peut durer 24 à 48 heures en microchirurgie, là c'est quand même pas rien. Et ensuite en réadaptation, ça peut durer jusqu'à un an. Et là on avait vraiment des taux d'adhésion au traitement qui étaient excessivement variables, soit de 35% quand les patients n'étaient pas suivis au CHUM, alors qu'on avait 85% quand ils étaient suivis donc dans les mêmes locaux. Et là on s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup d'échanges entre les patients, et finalement il y avait beaucoup de solidarité qui se créait entre eux, et que ça permettait justement à certains patients qui étaient assez déprimés de pouvoir continuer leur traitement. Alors en partant de cette idée, on a eu un petit financement et puis on a commencé à travailler avec des anciens patients qui avaient été formés au Cévarmu, donc qui avaient été plutôt traités à la clinique de la main, qui s'appelle le Cévarmu. Et on n'avait pas vraiment d'idée préconçue, mais on se disait c'est vraiment l'entraide qui est importante. Donc on a eu une première expérience et c'est comme ça que ça a commencé, où le patient avec lequel on travaillait était prêt donc à intervenir. On ne lui avait pas du tout dit « tu vas dire ça, tu vas dire ça, tu vas dire ça ». Là, on ne l'avait pas du tout formé avec un petit livre à l'avance. Et puis, il y avait un patient à distance, là, qui était donc en région au Québec, qui était excessivement prostré, qui allait très très mal, qui vraiment, on avait beaucoup de mal en tous les cas à faire en sorte qu'il embarque dans le traitement. Puis on s'est dit « on va essayer de les mettre en communication, puis de toute façon, on n'a rien à perdre, puis de voir un peu ce qui va se passer ». Et donc, ils se sont retrouvés en visioconférence tous les deux. Ni l'un ni l'autre n'avait fait de visioconférence. Olivier, puisque Olivier a commencé à raconter son histoire et puis à expliquer vraiment du début les difficultés qu'il a rencontrées, la vie qui s'écroule, tout qui change, des grandes volontés de suicide, vraiment des idées très, très noires. Et puis, progressivement, une petite lumière qui commence à s'allumer. Puis, le fait de voir progressivement sa main aller de mieux en mieux, avoir de moins en moins de douleurs. Et puis, il était capable de pouvoir montrer sa
main, qui est absolument spectaculaire, puisqu'il y a quasiment, on ne voit pratiquement plus rien. Et là, dans ce processus, on a vu quelque chose d'assez fascinant, c'est que le patient qui était donc à l'autre bout de la visio était donc complètement prostré, ne savait même pas où regarder, où était la caméra, enfin bon bref, a commencé à changer, a commencé à se redresser sur son siège, a commencé à chercher d'où venait la voix, puis a commencé à s'intéresser, puis a vraiment regardé ce qui se passait. Et il y a eu un contact vraiment très, très, très de cœur à cœur. Il s'est passé quelque chose entre les deux. Et à la fin de la conversation, cette personne regarde Olivier en lui disant bah, « Tu sais, moi, j'avais déjà écrit ma lettre et je voulais absolument suicider ce soir. Mais avec la conversation qu'on vient d'avoir, bah, écoute, tu me permets de pouvoir revivre. » Donc là, il a recommencé ses traitements. Et ça nous a vraiment tous beaucoup bouleversés. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas la première. Il y a eu d'autres interventions comme ça qui ont permis vraiment de changer complètement. Et il n'y a pas une autre personne qu'un autre patient qui est capable de pouvoir vraiment toucher le cœur de l'autre et de capable de pouvoir le faire raccrocher finalement à la vie. Et en parallèle avec cette démarche-là, on avait l'idée, évidemment, en oncologie, de faire ce genre de choses. Ça existait déjà au niveau international, à ce qu'on appelle les patients navigateurs, puisque c'est complexe, le système de santé, comment on amène les patients à pouvoir naviguer. Donc, on s'était dit, ben, nous, on voudrait aller plus loin, on voudrait vraiment que les patients soient sur les lieux de soins, comme ça s'est passé au Sévarmu. Et c'est comme ça, donc, qu'on a créé Parole Onco pour les patients accompagnateurs, une ressource organisationnelle pour améliorer donc, l'expérience des patients. Et on a donc, ça m'a permis, de, grâce à ce projet, de pouvoir rencontrer Mireille. Et c'est dans ce cadre-là. Donc, je veux vraiment vous dire que c'est des projets qu'on fait en co-construction. Donc, on n'arrive pas avec nos idées en disant, ben, on va faire ci, on va faire ça. Puis, vous allez être bien gentil, vous allez faire exactement ce qu'on vous demande. Pas du tout. On part vraiment de la manière dont les patients ont vécu leur expérience. Et puis, comment on peut vraiment nous être en soutien. Donc, moi, je suis du côté recherche. Mais il y a toute une équipe qui est là aussi au niveau du CHUM et des 5 autres établissements pour pouvoir aider aussi les patients à pouvoir vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes, et dont évidemment Valérie fait partie. Et donc voilà, c'est ça qui m'a permis de pouvoir rencontrer Mireille, qui fait partie donc parce qu'il y a quand même une quinzaine de patients qui nous aident là à mettre en place cette intervention. Je suis vraiment impressionnée de voir autant de gens, et c'est la première fois qu'on donne cette conférence-là à des gens qui ne font pas partie du système de santé. Alors, pour moi, je trouve ça très impressionnant, mais je sais que tout le monde dans la salle, vous êtes touchés de près ou de loin avec le cancer. C'est le mal du siècle, et c'est pas évident de faire face à ce diagnostic-là quand ça nous arrive. Alors, pour moi, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein en 2011, quand on nous l'annonce, c'est le déni, c'est sûr. Je dis, ben non, ça se peut pas. Moi, je suis une fille en forme, je bois pas, je fume pas. J'ai une vie, là, très, très régulière, quasiment plate. Fait que je dis, ça se peut pas. Et c'est ça. Quand on nous l'annonce, on se dit, bon, OK, c'est toute la vie qui change. C'est le travail, c'est les amis, c'est ta façon de voir, la famille. C'est un changement radical. Puis ça, moi, depuis que je suis sortie du cancer du sein, mon objectif, puis je vous le dis, vous allez le voir, mon objectif, c'est vraiment d'humaniser les soins de santé. Parce que quand on a passé à travers ces étapes-là, on voit, on comprend, puis on n'est pas tous pareils. Moi, je suis du genre à aller de l'avant puis essayer de trouver des solutions, puis bon, c'est quoi le plan de match? Mais quand tu es entouré de gens qui sont malades et qui n'ont pas les mêmes compétences que toi, bien, c'est là qu'on voit qu'il y a des gens qui auraient besoin d'aide et de soutien. En tout cas, pour moi, les premières fois, j'ai été opérée en novembre, pas longtemps après le diagnostic, et j'ai commencé ma chimio comme mon système scolaire. J'étais conseillère en formation scolaire dans une commission scolaire des Basses-Laurentides. Alors, j'ai commencé ma chimio le 7 janvier, j'ai fini le 23 juin. Fait que j'ai dit vraiment, le destin m'a... Et c'est éprouvant, mais en même temps, c'est le regard, puis c'est... Comment tu décides de prendre ça en main? Pour moi,
aller à mes traitements, c'était, bon, OK, on y va, je m'en vais travailler. Mais tu ne travailles pas pour quelqu'un d'autre, tu travailles pour toi. Là, tu te choisis, puis c'est toi qui vas travailler. Et moi, j'avais comme habitude, je m'habillais, j'aime ça m'habiller, bon. Alors, j'avais une routine, comme si je m'en allais au travail. Fait que j'allais faire mes traitements de chimio ou t'es 4 heures, 5 heures assis à la même place et tu côtoies plein de gens. Pendant les traitements, parfois, tu rencontres beaucoup, beaucoup de gens. Et en ce qui me concerne, à un moment donné, tu as beaucoup de difficultés avec les traitements parce que ça abîme beaucoup les bras. Fait que tu as de la misère, ils ont de la misère à te piquer. Et donc, ils te proposent des solutions. Puis la solution, pour moi, c'était avoir ça s'appelle un porte-à-quatre. Ils te mettent ça sous la peau et c'est branché dans une grosse veine. Donc, à chaque fois que tu as ton traitement, ils font juste se brancher dans ton porte-à-quatre et ça te libère les bras. Pour moi, ça a été merveilleux parce qu'effectivement, là, tu peux réutiliser tes bras parce que tu viens tellement abîmé que tu n'es pas capable. Sauf que moi, j'étais capable de demander des choses. J'étais capable, quand je voyais l'oncologie, de dire, « Bien, regarde, là, ça n'a pas d'allure. As-tu une solution? J'ai mal à l'estomac. » J'avais ce recul-là. Je pouvais faire ça. Et en salle de traitement, à un moment donné, il y a une infirmière qui vient me voir. Elle me dit, t'as un porte-à-quatre, j'ai une patiente. Elle a vu le médecin. Les infirmières essaient de la convaincre parce qu'ils ne sont plus capables de la piquer. À un moment donné, tu es obligé d'aller sur le pied. C'est compliqué. Mais elle a peur, elle ne veut pas. Peux-tu aller la voir? Et c'est là qu'on fait les liens de dire, tu sais, entre patients, là, c'est incroyable. Moi, j'ai été la voir. J'ai juste dit comment moi, je me sentais bien. Oups! comment je me sentais. J'avais retrouvé mes bras, donc je pouvais faire plus de choses. Et la patiente s'est fait installer le porte-à-quatre la journée d'après. Ça a réglé beaucoup de ses problèmes. Mais ce qu'elle voulait entendre, c'est pas tant l'expertise de l'infirmière. Elle est importante, cette expertise-là. L'expertise du médecin, elle est essentielle. C'est lui. C'est comme un chef d'orchestre. Tantôt, quelqu'un lui disait, c'est comme un chef d'orchestre. Mais si le chef d'orchestre n'utilise pas tout son monde autour, il n'y aura pas une belle soirée. Bien, c'est la même chose du système de santé. C'est qu'ils ne savent pas encore. Mais ils commencent, hein? Ils commencent. On essaye. C'est que, moi, dans la vie, ce que je disais à mes étudiants, j'ai dit, tout est transférable. Quand vous allez apprendre que tout ce que vous faites, ça se transfère dans n'importe quoi. Alors, ça, c'est un plus. Mais les gens ne savent pas que on est expert dans notre maladie. On est les seuls à rencontrer tout le monde. On rencontre l'oncologue, le chirurgien, l'infirmière, la psychologue, si on en a besoin, la travailleuse sociale. Et c'est nous qui faisons le pont entre chacun. Mais ça, ça a été oublié dans le système de santé. Donc, notre expertise est importante. Puis cette expertise-là, on peut... Si on a un certain recul, on est capable de dire les choses et d'expliquer. On n'a pas à souffrir. On a à dire puis à communiquer. C'est pour ça qu'en même temps, je l'ai vu dans les salles de chimio, comment il y a des gens là qui ne savaient même pas quelle sorte de cancer qu'il y avait. Ça allait jusque-là. Fait que la tristesse que tu peux rencontrer chez des gens, puis ils ne sont pas accompagnés. Des fois, on peut être seul dans la vie, hein, pour diverses raisons. Et ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut les aider? Moi, c'était ça un peu mon rôle quand je travaillais. J'ai pris ma retraite, ça fait 3 ans. Je suis dans ma 3e année de retraite. Mais j'ai travaillé pendant mon cancer. Et
je voyais souvent aussi des enfants en difficulté. Puis il faut trouver un moyen de communiquer avec eux, puis de se mettre au même longueur d'onde, c'est à peu près ça. Mais avec un patient, c'est la même chose. On dit aux médecins, vous êtes l'expert, vous pouvez faire le meilleur PI. Un PI, c'est un plan d'intervention. Interdisciplinaire. Genre, n'oublie que certains mots. La recherche est là pour m'aider. Et si le médecin n'a pas créé le lien avec le patient, il va être dans le champ. Puis il va être tellement dans le champ que le patient ne dira pas ses vraies choses. Puis s'il ne les dit pas, ça veut dire que dans 6 mois, et même moins de 6 mois, il va peut-être revenir à l'urgence. Parce que le lien n'a pas été fait. On a tous un plan de vie, une qualité de vie. Et ça, si le médecin ne le sait pas, puis il ne prend pas le temps de communiquer, bien, c'est ça. C'est pas facile à changer. Ça fait quand même, moi, 5 ans, j'ai fait beaucoup de comités. Patient accompagnateur, c'est vraiment quelque chose qui s'en vient encore plus présent. J'ai fait beaucoup de comités de réorganisation au niveau du CHUM, mais les gens commencent à nous écouter, effectivement. Mais les premiers temps, les gens te regardent puis tu te demandes pourquoi ils sont là. Mais ce qu'on veut, c'est travailler en collaboration. Si je peux t'aider en te posant une multitude de questions, ça va peut-être t'amener sur une route où tu vas changer les façons de faire pour que moi, comme patient, je puisse retourner le plus rapidement à la maison puis que ça fonctionne. Parce que le patient, lui, quand il est 5 heures, il a encore sa maladie. Les gens qui travaillent, ils retournent à la maison, ils ont leur deuxième partie de journée qui commence. Mais nous, on reste. Et c'est important, tout ce qu'on voit et la communication de plus en plus. Je pense que avec le temps, ma rencontre avec Marie-Pascale, elle est récente. Entre-temps, je pense qu'on a besoin de la recherche pour corroborer nos dires. Parce que j'ai beau vous dire ce matin des choses qui s'est passées entre un patient ou un autre, ça reste quasiment des anecdotes. Mais si on veut que ça aille plus loin que ça, parce qu'on le sait, historiquement, on regarde, tu sais, le compagnonnage, ça se faisait même au Moyen Âge. Tu sais, apprendre une profession, on collait un jeune avec quelqu'un d'expérience, et c'est comme ça que ça se faisait, ça se transmettait. Mais ça peut être comme ça, mais dans tous les domaines, c'est la meilleure façon de transmettre en même temps une passion, puis de dire, les gens, un patient, là, en tout cas ceux que j'ai vus jusqu'à maintenant, ils n'ont pas peur de te poser des questions. C'est quoi le retour au travail? Comment tu t'es senti? C'est un des aspects les plus difficiles, moi, je dirais. Moi, j'ai pris ma retraite parce que j'ai un certain âge. J'étais donc près de ma retraite. Fait que j'ai pu devancer ma retraite parce que le retour au travail n'a pas été un succès, loin de là. Mais c'est ça, c'est que quand on travaille, on est dans un tourbillon. Hein? J'appelle ça quasiment un vortex. Tu sais, un vortex, là, on a une image. Bien, c'est ça. Et là, il arrive une catastrophe et tu es obligé de t'arrêter. Et moi, quand on m'a annoncé mon cancer, j'étais dans ma voiture et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et sur une chose, en commençant, c'était « qui va me nourrir? » Me nourrir, pas ma nourriture. Mais tu sais, mon travail m'alimente beaucoup, puis on se sent indispensable. Mais on ne l'est pas indispensable, mais on se sent. Tu dis « qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais faire quoi, là? »
je vais juste m'occuper de moi. Ben voyons donc. C'est ça. C'est tout. Quand je vous dis, c'est vraiment un ouragan dans ta vie, c'est ça. Et c'est presque perpétuel tout le long de tes traitements. Et le retour, tu es une personne différente. J'ai arrêté de travailler un an et demi. Le retour au travail, les gens t'attendent comme si tu étais comme hier. Mais tu n'es plus comme hier. Tu as compris certaines choses et ton regard sur la vie, c'est autre chose. Le regard sur ma vie, j'ai des enfants, ça a été merveilleux, je vous dirais, c'est plate à dire, mais parce que ça m'a arrêté, ça m'a permis de dire, j'ai deux gars qui étaient à l'université, et quand ils ont appris la nouvelle, eux autres aussi, c'est comme dire, ah, on n'est pas éternel. Puis c'est là qu'on recommence peut-être à communiquer. Alors, il m'appelait parfois le midi. « Ah, maman, t'es-tu libre? On va aller dîner ensemble. » C'était comme une parenthèse. Mais cette parenthèse-là, elle a été merveilleuse pour moi. Fait que dans le malheur, il y a des bonheurs. Mais il faut les trouver. Et c'est à nous de les organiser en conséquence. Je vous dirais... le retour, les gens, je suis quelqu'un d'énergique, je pense que vous le voyez. Et j'ai toujours été dans des projets nouveaux, je pars des projets, moi, mon énergie là. Alors, se retrouver à dire que c'est toi le projet, c'est compliqué. Mais, parce qu'on n'est jamais prioritaire. Je pense que je comprends. Ça, je suis contente d'avoir une autre salle aujourd'hui où c'est des gens qui travaillent, des gens actifs, mais je sais que vous êtes confrontés à ça. Un ami, ça peut être un parent, ça peut être un enfant qui est confronté à ces choses-là. Ce qui est important, c'est d'aller à la vitesse de la personne qui a ce problème-là. C'est pas à la vitesse du conjoint ou à la vitesse de celle qui travaille avec qui tu travailles. Ben, non, c'est parce qu'elle a changé. Peut-être que... Assoyez-vous ensemble puis discutez de... Maintenant, tu veux mettre où tes énergies? Puis comment tu peux apporter peut-être un nouvel essor parce que t'es différente maintenant. Et tu peux être aussi productive, mais différemment. Moi, là, dans mon retour, là, je faisais peut-être deux semaines, j'étais en retour progressif. Et une direction qui me demande, parce que je faisais plusieurs projets, « Bon, ben, tu viens pas les mercredis, mais nous, on se rencontre les mercredis, faudrait que tu changes tes journées. » Fait que là, j'ai dit « Non, moi, c'est mes journées, c'est ça. » Ils n'ont pas aimé ça. Mais... ils n'ont pas aimé ça. Et en plus, on m'a demandé de faire du temps supplémentaire et j'étais en retour progressif. C'est très difficile. Là. Tu retournes chez toi et tu te dis, « Mon Dieu, comment je vais faire? » Tu as eu de la chimio, tu as des pertes de mémoire. Mais tu ne diras pas ça à la terre entière, au travail, là, que ben, tu y vas. Mais les pertes de mémoire sont là. Ça va-tu revenir? Je ne le sais pas. Ils te le disent. Ça, on ne le sait pas. Chaque personne va l'avoir différemment. Alors, tu as des décisions à prendre, puis c'est au fur et à mesure. Puis ça, c'est important aussi. J'ai eu au cours des appels de gens qui ont su que j'avais eu un cancer, un ami d'un ami d'un ami qui m'appelle, juste pour jaser. Ça aussi, c'est pour ça que ça se fait naturellement, les associations, mais on veut les mettre en place encore plus fidèlement. Qui m'appelait puis me demandait... Bien là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête mon travail? Est-ce que... Je dis, bien, je ne peux pas te dire ça. Moi, je ne peux pas te dire ça. Mais ce que je peux te dire, c'est que quand tu vas commencer tes traitements, tu vas voir qu'est-ce qui va t'arriver. Tu ne peux pas présumer de ce qui va t'arriver. C'est plate à dire, là. On est anxieux, on veut tout organiser, on veut tout planifier, mais on ne peut pas le faire là-dedans. Mais une personne peut t'indiquer... peut t'aider à prendre des décisions en te disant, « Bien, regarde,
peut-être ne fallait pas tout de suite. Moi, c'est ce que je disais aux gens. Bien, moi, j'ai été en congé de maladie assez rapidement, étant donné que j'organisais des projets, puis j'étais énormément, j'étais plus fatiguée que je pensais. Alors, j'ai pris congé au début octobre, j'ai été opérée en novembre, puis je me suis dit, bien là, oui, c'est vrai, je vais m'occuper de moi, je vais me reposer. Sauf me reposer, pour moi, c'était pas être à la maison. Je sortais pareil. Ça paraissait pas que j'étais malade. Les gens ne savaient pas, tu sais, ils l'ont pas su. Bien, ils l'ont pas su, je suis capable d'en parler, j'en parlais, mais les gens me disaient, bien voyons donc, ça se peut pas que tu aies un cancer du sein. Je dis, bien, ça a l'air que j'en ai un. Fait qu'on y va, puis c'est ça. Mais, je vous le dis, les conseils, ça vient naturellement. Puis, je vous dirais, même au travail, moi, quand j'ai eu le diagnostic, je savais qu'il y avait une consoeur de travail que je connaissais, mais que je fréquentais pas nécessairement, mais qui avait eu un cancer comme 2 ans auparavant. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Naturellement, j'ai été la voir dans son bureau, puis là, je lui ai parlé que j'avais ça. Puis je lui ai demandé comment elle l'a vécu. Et ça m'a donné vraiment une façon de faire. Après, tu t'en vas, puis c'est comme si tu avais un plan de match. Pour moi, j'ai besoin d'un plan de match. Tu sais, on est anxieux quand on dit faut préparer les affaires. Notre travail, à la maison, les enfants. Comment on annonce ça à des enfants? Même moi, si mes gars étaient à l'université, je suis la mère, même si c'est le père aussi qui a un cancer. C'est très difficile. Puis leur réaction, j'ai 2 gars très différents, un de l'autre. Il y en a un là qui me ressemble beaucoup plus, qui est très... il m'a pris dans ses bras, puis bon, on va faire ça ensemble, je vais t'aider, puis tout ça. Puis le deuxième qui est beaucoup plus introverti, là, puis qui ne savait pas comment réagir. Pourtant, il est à l'université, mais il fallait que j'aille dans son mode à lui. Son mode d'apprentissage à lui, son mode de compréhension à lui. Je n'ai pas à le malmener parce qu'il ne réagit pas et qu'il ne m'entoure pas. Fait qu'il me dit, me regarde et dit, « Penses-tu que je suis sans cœur? » Je dis, « Ben non, ça se peut pas. » Fait qu'il me dit, « Veux-tu qu'on aille écouter un film ensemble? » J'ai dit, « Ben oui, pourquoi pas? » Fait qu'il dit, « On va aller écouter Amélie Poulain. » C'était mon film préféré. Fait que pour lui, son message, ça s'est passé pendant qu'on a regardé le film. Et c'est pour ça que je vous dis, le mode de transmission, la communication est importante. Tout ça, ce qu'on aimerait faire avec Parole Onco, c'est trouver d'autres patients comme moi. Il y en a, il faut juste ouvrir les yeux. Moi, comment on m'a détecté? Bien, c'est Dr Ayoub, qui était mon oncologue, qui m'a demandé à un moment donné, comme ça, bon, il y a un ingénieur en processus qui est dans le département, on va faire des changements. Veux-tu te promener puis lui dire qu'est-ce que tu penses du département pendant que tu fais ta chimio? Sauf qu'il ne savait pas que moi, dans ma profession, j'organise des événements, donc j'ai un œil peut-être un peu plus aiguisé que monsieur, madame, tout le monde. Et l'ingénieur en processus a beaucoup aimé la rencontre parce qu'il a pris 6 pages de notes. Fait qu'il était très content, mais en même temps, on n'est pas là pour juger. C'était pas un jugement que je faisais. C'était comme, regarde, il me semble que si ça allait de même, puis que je pouvais faire ça comme ça, il me semble que ça irait mieux, puis ça serait plus fluide. Bon, lui, il a pris des notes. Moi, je disais ce que je pensais. Et au lieu de faire... le monsieur m'a dit, il dit, j'ai une réunion multidisciplinaire, tout le monde va être là, les médecins, les infirmières, les préposés, Saint-Luc était là, Notre-Dame était là. « Ça tente-tu de venir parler de ce que tu m'as raconté? » Je dis, « Bien, pourquoi pas? » Fait qu'ils m'ont invité. Et c'est là que j'ai été gagnée. Parce que effectivement, j'ai raconté les choses. Puis je disais aux gens, je dis, « Moi, la différence, c'est que c'est ma vie. » Puis ma vie, là, c'est pas de 9 à 5, c'est toute la journée. Et je le sais qu'il y a des choses que j'aimerais qu'ils s'améliorent.
Alors, si vous prenez un petit 2 minutes puis que vous communiquez avec moi, je vais vous le dire. Mm. Puis ça va juste mieux se faire. C'est ça. Alors, à la fin de la rencontre, les gens sont venus me dire, ils étaient contents parce que là, pour une fois, c'était pas une infirmière qui disait à un médecin quoi faire, puis le médecin à l'infirmière, puis le préposé, puis bon, la convention, puis tout ça. C'était pas ça. Là, on parlait de l'humain, puis on parlait de garder, on va gagner du temps, mais tout le monde ensemble. Parce que c'est ça qu'on veut. Nous autres, on veut pas être à l'hôpital, là. On veut être chez nous, puis le plus rapidement possible. Alors, si on veut être chez nous, bien, prenons les moyens, puis il faut s'organiser tout simplement. On a un super hôpital, là, qui s'en... Bon, on rentre dedans, là, en fin de semaine, c'est la dernière étape. Et je vous dirais que, ben, en tout cas, au CHUM, on m'a intégrée dans plusieurs processus, même organisationnels. Et on commence à nous entendre et à nous intégrer, puis à avoir des changements. Alors, mais comme je vous disais, pendant la... Tout est transférable. Si tout est transférable, tout ce que vous faites, autant on a une personne qui présente un livre de cuisine. Bon, la cuisine, c'est transférable, puis en faisant de la cuisine, on peut transférer d'autres informations. Le meilleur moment que j'avais avec les gars, quand je voulais savoir des choses, nous, c'était pas tant la cuisine, j'étais Taxi Diamond, c'était moi. Je les reconduisais toujours partout. Tu sais, j'étais connue, même les amis de mes gars faisaient « Ah, oh, Taxi Diamond, es-tu là? » Oui, Taxi Diamond, fait qu'elle va aller reconduire. Et c'était dans la voiture. Dans la voiture, c'est merveilleux. Les sujets qu'on peut aborder et tout ce qu'on peut savoir. Écoute, toute cette période-là du secondaire où c'était un peu difficile, j'étais toujours « Non, non, on va aller te reconduire. Non, non, je vais y aller. » Mais derrière, c'était ça. C'est pour ça que je pense que reprendre vie... Je trouve ça un peu triste de voir les autos maintenant avec les ordis puis un paquet d'affaires pour occuper les enfants. Quand on manque le bateau, là, t'sais, si tu veux savoir des choses, là, garde, pose des questions, puis là, tu vas voir que tout va se faire facilement. Tu les as pas face à face, puis ils n'ont pas l'impression que... Bien là, il faut discuter, un party, tout ça. Bien là, tu lances la question, puis là, ça parle... de choses et d'autres, puis on finit par régler les choses. J'ai-tu fait mon 15 minutes? C'est un peu plus. Alors, je pense qu'il peut y avoir des questions. Vraiment, je suis très, très contente de... Hein, Marie-Pascale, on va faire les choses avec la recherche pour vraiment montrer que ça marche. Mais on le sait que, pour plusieurs ici, que les choses fonctionnent. Mais... Allez-y, je pense on n'est pas à l'air, on est à l'air de la communication, des réseaux sociaux, mais allez au-delà de ça, parce qu'on se rend compte que les jeunes maintenant, dans les écoles, il va falloir apprendre la discussion, parce qu'ils ne sont plus capables de téléphoner, ils ne sont plus capables de relations interpersonnelles. Fait que ça veut dire qu'on va commencer à réapprendre aux enfants dès le primaire. Voyez-vous où on s'en va? Fait que c'est important. Fait que ce qu'on fait, en tout cas pour moi aujourd'hui, j'ai semé une petite graine en vous. Puis c'est comme ça. Fait que si vous avez des questions...